Voilà maintenant des familles aux abois, des familles éplorées, des enfants dont les vies sont détruites, qui ont été abusés sauvagement par ce monstre qui est sur votre écran, Jean-Yves Boussougou, soi-disant pasteur, qui a l'outrecuidance d'usurper, de s'octroyer le titre de révérend. Tout vrai chrétien sait que le titre de révérend est un titre qui est l'exclusivité du Dieu Très-Haut, de notre grand Dieu et Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout homme qui s'attribue le nom de révérend passe pour Dieu dans votre vie. C'est pour cela qu'ils peuvent vous dépouiller, vous escroquer, vous tendre comme des moutons aveuglés, vous dépouiller, abuser de vous, violer vos enfants. Voilà donc, mes frères et sœurs, cet homme qui a choqué la conscience nationale, qui a une église, qui avait des rêves démesurés de devenir grand, de devenir tellement prospère dans le monde pseudo-évangélico-protestant. Voilà, mes frères et sœurs, des choses terribles. Quand nous dénonçons, vous dites que nous exagérons. L'histoire que vous êtes sur le point de suivre va vous choquer de manière outrancière. Suivez-vous-même. Tout a commencé le 21 septembre 2023. J'étais avec mes cousines, mes nièces, et j'étais contente parce que je venais de rentrer des États-Unis et j'avais décidé de faire un séjour à Libreville de 2 semaines. J'ai commencé à rigoler avec ma famille, on était très contents de se voir, on a fait des photos, jusqu'à ce qu'on se retrouve dehors et je commence à m'adresser à mes petites sœurs en leur disant « Pourquoi vous ne partez plus à cette église ? Pourquoi vous avez décidé de ne plus servir Dieu ?» Et parmi mes nièces, il y a une qui me dit « Tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas ce que ce pasteur nous a fait, tu ne sais pas pourquoi on n'est plus là-bas. » Et moi, avec beaucoup de curiosité, je me demande « Pourquoi vous ne partez plus à l'église ? Qu'est-ce que le pasteur a eu à faire ?» Et là, il y a ma nièce qui sort du lot en me disant « Il a abusé des enfants à l'église. » Et moi, je me dis « Non, attendez, je ne comprends rien, je suis perdue. Je tombe des nues parce que c'est quelqu'un que j'ai considéré comme étant mon pasteur. C'est quelqu'un que j'ai toujours vu comme un homme de Dieu, quelqu'un de bienveillant. » Et là, ma nièce me dit « Je lui demande, est-ce que tu connais ces personnes, ces filles qui l'auraient abusé ? » Et elle me dit, j'en fais partie. Je fais partie de ces filles-là qui ont été violées par le pasteur. Ce message s'adresse à tous les chrétiens. Je suis chrétienne. Il est hors de question que nous restons dans ces églises, ne sachant pas ce qui se passe avec nos enfants. Il est hors de question que nous envoyons nos enfants pour se faire violer par des pseudo-pasteurs. Ce soir, je parle parce que je suis dégoûtée, je suis outrée du comportement que ce pasteur a eu. Pseudo-pasteur, parce que pour moi, ce n'est pas un pasteur. Nous avons fait confiance en cet homme. Il était comme un frère pour nous, parce que nos mamans l'avaient adopté. Pasteur Jean-Yves Boussougou a toujours été le bienvenu dans notre maison. Nous l'avons servi à manger, à boire. Et en retour, il a eu le courage, le toupet, de violer ma cousine et ma nièce. Et pas que. Il y a eu beaucoup de victimes. Et si une parmi ces victimes, vous me regardez ce soir, n'ayez pas peur, dénoncez. À l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, le pasteur Jean-Yves est détenu à la PJ. Il a avoué les faits. Il ne savait pas qu'il était enregistré, mais il a avoué avoir violé ces filles-là. Il a même avoué avoir violé des petits garçons. Aujourd'hui, on parle d'un pasteur. C'est terrible, mes frères et sœurs, c'est terrible ce que vous venez d'entendre. Ce cochon qui a le culot de s'appeler révérend, comme je l'ai dit tantôt, le mot révérend, c'est le nom de Dieu. En Psaume 111, verset 9, la version de la Bible, la version anglaise King James, le nom de Dieu est révérend. Tout homme qui prend le nom de révérend, il aurait fallu pour lui ne pas naître, que de naître et usurper et s'octroyer le titre de révérend. Voilà cet animal qui, comme défense, comme justificatif, pour sa défense, il dit que les enfants étaient consentants, que les enfants aimaient ce qu'ils faisaient, ils étaient consentants. Incroyable! De tout petits enfants,
des petits garçons qui sont sodomisés, des petites filles qui sont violées par ce monstre, par ce cochon. Et il a le prudence de dire qu'ils étaient consentants. Et ce qui est encore davantage choquant, ses complices, ses compères, autant sodomites, autant violeurs comme lui, viennent à sa rescousse, viennent prendre sa défense, le soutiennent. Incroyable! Voilà la preuve de ce que j'ai toujours dit, la criminalité et le vampirisme évangélique en bande organisée. Nous allons continuer à dénoncer. Voilà des familles aux abois. Je suis persuadé que parmi ces enfants, parmi les parents de ces enfants, il y a ceux qui pensaient que j'exagère. Il y a ceux qui pensaient que je suis fou, que j'en fais trop, que je dois cesser de dénoncer. La Bible nous dit, sur la base de Tite chapitre 1, versets 11 à 12, ces faux pasteurs, au ventre paresseux et grassouillet, au bas ventre pervers. Voilà comment je dis souvent qu'ils ont le ventre paresseux, ventre grassouillet et paresseux, et ayant le bas ventre pervers. Voilà la manifestation de la perversité dans leur bas ventre, bouleversant les familles entières. Et je suis persuadé que dans ces familles, il y a des personnes qui pensaient que j'en fais trop, que je ne dois pas dénoncer, que je dois les laisser tranquilles. Voilà maintenant que vous plairez. Voilà maintenant que vous êtes aux abois. Vous saisissez la justice humaine. Sortez de ces prisons évangéliques, de ces salles d'embarquement pour l'enfer, de ces camps de concentration qui mènent directement en enfer, aller simple, sans retour. Après qu'on vous ait violé, qu'on vous ait escroqué, qu'on ait violé, traumatisé vos enfants, le Seigneur Jésus disait, ne scandalisez pas les petits-enfants. Il aurait fallu pour celui qui scandalise un enfant de n'être pas né, que de naître et de scandaliser un petit enfant. Le jugement de cette personne sera terrible, terriblement terrible. Et à cette fille, à cette fillette, cette gamine, qui disait qu'elle ne sait plus à qui se confier, elle est traumatisée. Si tu me suis, jeune fille, et ma prière, c'est que tu suives ce message, cette vidéo. C'est pour toi et pour toutes les autres victimes que j'ai décidé de faire cette vidéo. Regarde-moi très bien et écoute ceci. Ces gens ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils ne représentent pas Dieu. Le nom de Dieu est blasphémé, insulté à cause de ces cochons, comme celui qui t'a violé, jeune fille, qui est sur ton écran. Ce sont des monstres. Ce sont des cochons, des porcs qui blasphèment le nom de Dieu, qui font insulter le nom de Dieu parmi les païens. Jeune fille, écoute-moi, toi et toutes les victimes de cet abominable cochon évangélique, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un sataniste. Non seulement ils font ses vices, pour assouvir leur perversité animale, cochonnière, mais ils le font aussi pour des rituels. Comme si les sacrifices humains ne suffisaient pas au Gabon, un pays qui est gangréné, qui a le cancer des sacrifices humains, comme si la misère dans laquelle croupit les populations gabonaises, en dépit des ressources immenses de ce pays, comme si cette misère ne suffisait pas, il faut que les pasteurs qui sont supposés prêcher Christ, prêcher la consolation, prêcher le réconfort, l'encouragement malgré les tribulations qu'on peut traverser. Au lieu que ces pasteurs prêchent cela, c'est plutôt votre bas-ventre qui leur intéresse. Violent des petits-enfants. Et il a le culot, l'audace de brandir comme défense le fait que les enfants aiment cela, les enfants sont consentants. Voilà pourquoi nous devons les dénoncer. Regardez comment ce monsieur parle de 100 jours de gloire. Il annonçait 100 jours de gloire. Suivez-vous-même. Leader de ministère, Jésus-Christ Espérance des Nations. Je vous invite à la deuxième édition des 100 jours de gloire, édition qui aura lieu du 6 au 11 juillet 2020. Je vous invite à être nombreux
pour la communauté gabonaise. Nous planterons là les semences pour l'église de demain. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Voilà, voilà. Il vous invite à 100 jours de gloire pour planter les semences. Planter quelles semences? Planter les semences venant de son bas-ventre dans les petites filles et les petits garçons. Voilà les semences qu'il devait planter. Terrible, mes frères et sœurs. Voilà les semences qu'il a plantées dans les parties intimes des petits-enfants et des petites filles. Voilà les 100 jours de semences. Et ce monsieur aurait le sida, le VIH, et certainement ses enfants sont infectés. Ces enfants, s'ils m'écoutaient, et je prie qu'ils m'écoutent, allez à Dieu, allez à Jésus-Christ, qui s'occupera des véritables cochons comme ce cochon qui défile sur votre écran. Allez à Jésus-Christ. Il va vous consoler. Il va panser vos blessures, surtout les blessures psychologiques et émotionnelles. Il va les panser. Il va vous mettre sur le bon chemin. Commencez à lire la Bible. Sortez de ces églises. L'église n'est pas un bâtiment. Si vous voyez une église qui a une pancarte, qui a un bâtiment, qui a un nom, sortez de là en courant. Dans la Bible, l'église n'a jamais eu de nom. L'église n'a jamais eu de bâtiment, de pancarte, avec une croix au-dessus, sur la toiture. Ça, c'est les églises de mort. La vérité et la vérité vous affranchira.